c'est Bertrand Chamaillou. Je vous invite à me retrouver en direct du Théâtre aux Colonnes à Buenos Aires, qui est une des plus belles salles du monde. Je peux vous le confirmer pour y être déjà allé. Et donc ça sera les 21 et 22 mai pour les concertos en sol de Maurice Ravel, puis le concerto numéro 1 de Liszt avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, chef orchestre de ma ville natale, et leur magnifique directeur musical Tugan Sokiev. On sera donc en direct de Buenos Aires les 21 et 22 mai à 20h30 là-bas. Ça fera 1h30 du matin en France. Voilà. On reviendra d'une tournée, une grande tournée Amérique latine avec l'Orchestre du Capitole. Brésil d'abord, on va faire São Paulo, Rio, Rosario en Argentine, et puis on arrivera donc les derniers jours à Buenos Aires. Comme on fait à chaque fois deux escales par ville, on a deux programmes. L'un qui est un programme français, donc avec un concerto français. Pour ma part, je jouerai le concerto en sol de Maurice Ravel. Magnifique concerto comme chacun sait, et ceux qui ne le savent pas, vous le découvrirez, avec notamment un mouvement lent absolument sublime. Un mouvement encadré par deux mouvements vifs un petit peu plus divertissants. Et un autre programme qui était un programme russe. Alors bon, j'ai pas fait un concerto russe, mais j'ai décidé de jouer, j'ai proposé en tout cas un autre grand concerto romantique, donc antérieur à celui de Ravel, qui est le premier concerto de Liszt. Et que je viens de jouer en fait au mois de mars là avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Donc on a déjà un petit peu travaillé dessus, on va rééditer ça. Le concerto en sol aussi, j'ai déjà joué avec l'orchestre il y a environ 2 ou 3 ans. Voilà, donc ce sera des rééditions dans les deux cas. Alors l'Orchestre du Capitole, moi c'est une longue histoire parce que moi-même je suis toulousain. Et je suis né à Toulouse, j'ai pas grandi dans une famille de musiciens, mais mes parents aimaient beaucoup la musique, donc m'a amené très tôt au concert. Donc j'ai entendu toute mon enfance l'Orchestre du Capitole, avec Michel Plasson à l'époque. Et j'ai joué dans la dernière saison de Michel Plasson, j'ai fait mon premier concert avec l'Orchestre du Capitole, sous la baguette de Michel Plasson, qui me reliait directement à mon enfance. Et puis donc j'ai assisté, j'habitais déjà à Paris à l'époque, mais gardant toujours un pied à Toulouse par ma famille et mon cœur évidemment. Et donc j'ai assisté au début de Tugan Sokiev à Toulouse. Je pense que tout le monde est d'accord maintenant pour dire, mais on percevait déjà à l'époque que c'était un excellent choix et que c'est une chance aujourd'hui qu'il ait re-signé un contrat avec l'orchestre. Et en instillant comme ça d'ailleurs de la musique russe avec la grande tradition de la musique française de l'Orchestre du Capitole, qui est assez logique. Enfin, on pense à l'époque des ballets russes, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est quelque chose qui dans la continuité de ce qu'était l'orchestre avant, fonctionne très très bien. Enfin, l'arrivée avec la nouveauté, tout ce qu'il instille de nouveau, et la tradition, c'est deux choses qui se complètent complètement. C'est complètement. Voilà. Et donc moi j'ai eu la chance, dès la première saison de Tugan Sokiev, de jouer, alors, je me souviens, c'était un concerto de Chopin, j'ai fait le deuxième de Chopin avec lui, on avait rejoué Ravel, etc. Enfin, on a eu l'occasion donc de collaborer très régulièrement. Cette année, j'ai même pour la première fois joué avec l'Orchestre du Capitole, sans que ce soit Tugan Sokiev ni Michel Plasson, donc en tout cas sous la direction d'un autre chef que le directeur musical. Mais voilà, là, je suis très content de retrouver Tugan, avec qui on a de très bons rapports, je veux dire depuis quelques années qu'on travaille ensemble, et en étroite collaboration, quasiment chaque saison. On est même parti déjà en tournée ensemble, mais pas aussi loin. Donc là, on va faire ce grand voyage en Amérique du Sud. Je m'en réjouis beaucoup, voilà, d'ailleurs de mieux le connaître à cette occasion.